Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Dnut, bienvenue dans ce Shut Up and Play duo, où je suis donc accompagné de Mathieu aujourd'hui. Matt, bonjour. Bonjour. Et où on va jouer à Tekken Tag Tournament 2, qui est sorti le 14 septembre 2012. Donc, normalement, pas longtemps après que j'enregistre, et tu es là donc comme expert de Tekken. Non. Ouais. Non, ce qu'il faut expliquer, c'est que je suis une tanche complète en jeu de baston. J'adore ça. Hein. J'ai une pile comme ça de jeux PS3 de baston. Mais je suis plutôt mauvais. Et à Tekken, je suis plutôt très mauvais. Tu m'as dit, ça fait combien de temps que t'as pas joué à Tekken? Enfin, c'est lequel le dernier auquel t'as joué? Le dernier que j'ai joué, c'était Tekken 3 sur PS1. Voilà. Donc il va y avoir du level, soyez prévenus. Donc je suis un expert de Tekken. Mais le but, c'est vraiment d'y jouer, de vous montrer à quoi ça ressemble et d'essayer tous les modes de jeu. Et vous qui êtes newbies, eh bien vous serez pas frustrés comme voilà. Ça. Voilà, surtout, soyez prévenus, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Allez, c'est parti pour Tekken. On est parti donc pour jouer à Tekken Tag Tournament 2. Tekken Tag Tournament 2. Je te propose de commencer donc par le mode hors ligne, par une bataille à toi contre moi. Un versus de base. Voilà, un versus de base. Alors, hop, okay, hop start. Là, hop, ok. Et normalement... Vous avez quitté la section des joueurs. Ouais, ok. C'est ça. Alors déjà, la première chose que vous pouvez voir, on a la sélection entre jouer à deux ou seul. Enfin, jouer un ou deux personnages. La différence, c'est que quand vous jouez tout seul, votre barre de vie, remonte automatiquement. Alors quand vous jouez en tag, faut passer à un autre personnage pour que celui qui est en repos regagne de la vie. Mais on va rester en tag, je pense que c'est, oui. un peu le principe de base. Allez. Et là, vous voyez le casting qui est énorme, qui fait, je crois, plus de 50 personnages. Enfin, c'est ce qui avait été annoncé. On va partir sur une équipe. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Non. Tour. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec. Je vais partir sur une équipe de catch personnellement. Un King et une JC. Eh bien je vais partir sur une équipe de n'importe quoi. Alors, il y a plein de personnages qu'on n'avait pas revus depuis très longtemps. Entre autres June, que tu jouais à l'époque. Oui. Qui est-ce qu'on en a? Alex qui est de retour, Kunimitsu, le robot c'est Combot je crois. Tiens, bah je vais prendre le robot. Voilà. Voilà, on va tenter. Les stages, il y en a quelques-uns aussi. En aléatoire, ça ira très bien. En plus, en France. Voilà. Que demande le peuple. Le hasard, des fois. Il y a toujours du temps de chargement, ça, j'ai remarqué en jouant. Ils ont un peu diminué par rapport à Tekken 6, mais ça reste toujours un peu pénible. Quand tu changes de mode, tu as du chargement. Quand tu lances un combat, tu as du chargement. Alors qu'il m'a demandé, je sais plus combien de gigas pour l'installer sur la console de base. Je crois que c'est 7,5 gigas. Mm-hmm. Ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est une équipe de stripteaseurs. Ouais, c'est un peu ça. Alors. D'accord. Oui, alors je joue pas de ce côté-là normalement. Oui. Hop. Ah, raté. Donc on admire la diversité de mes coups. Et on voit le level. Je ne comprends même pas comment il se manie. Je sais pas, pour l'instant je prends juste très cher. Qu'est-ce qu'il y avait comme coup sympa avec elle? Eh bien... Oula, Felindra tête de tigre. Alors là, j'ai eu chaud. Parce que j'avais pas fait gaffe à la barre de vie de JC. Moi, j'avais fait gaffe. Alors, JC, pour ceux qui jouaient avant à Tekken... À Tekken. À Tekken, oui. Tekken. C'est pas la même chose. Pour les zoophiles qui nous regardent. Tekken, c'était donc... Alors, c'est Julia, si je dis pas de bêtises. Donc, Michel est toujours jouable. Et Julia était remplacée par par JC. Voilà. T'en vas pas mon matou.
Ah bah d'accord. Bon bah va-t'en. Oh quelle horreur. Alors, Jessie, je la maîtrise vraiment très bien, donc. Voilà, et c'est pour ça que je vais me déconnecter du PSN, c'est pour éviter les messages de gens qui se connectent. Oh, Romato. Il enchaîne trop bien pour moi, Combot. Ah bon? J'ai pas le temps de le voir venir. Ah là. Ça fait un partout si je dis pas de bêtises. Ok, on tape un peu dans le vent, mais c'est pas grave. On va faire comme si on était des bons joueurs. On va faire semblant, oui. Soit c'était un bug, soit j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais deux persos étaient à l'écran en même temps. Donc vous avez admiré ce niveau magnifique que j'ai. Tiens d'ailleurs il y a la tour Eiffel derrière, j'avais même pas fait gaffe. Voilà. Sélection de personnages. Qui va nous permettre donc de montrer autre chose. Alors. Toujours en tag. Hein. Toujours en tag. Qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer Xiaoyu. Et on va jouer. On va faire une équipe officielle, entre guillemets. Xiaoyu et Panda. Je me demande s'il n'y a pas des. Quand tu prends des équipes qui correspondent, s'il n'y a pas des bonus. Je ne sais pas du tout. Il y avait un truc comme ça déjà dans les. Ou alors, quand tu fais des tags en équipe, ça fait un truc particulier. King et Warang, et nous allons en Italie, à la fontaine de Trevi. A savoir que donc le jeu possède un online pass qui fait que tu ne peux pas jouer online si tu n'as pas acheté le jeu de base ou si tu ne veux pas repayer 10€. Ce qui m'a un peu fait râler sur le coup. Mais a priori, il n'y aura pas de DLC payant. Il y a des personnages supplémentaires à venir, mais gratuits. Donc voilà. Par contre, on peut quand même voir la beauté technique du jeu. L'aspect technique ouais. Est quand même excellent. Faut savoir que le jeu est sorti en arcade il y a un an. Et que donc, il a eu le temps de... Ils ont eu le temps de le peaufiner. Panda ! Ok. Je déteste les ours. Je sais pas jouer, Panda. ce mec vient de porter un panda, quand même. Bonne nuit, Paprenel. Ouais, alors, c'est là... Quelques bugs d'affichage. C'est là qu'on voit que Panda est pas fait pour être... Pour être joué. Pour être joué, enfin, pour subir des tags. Je me fais défoncer. Par contre, on peut aussi voir que pour des personnes comme nous qui avons un niveau très élevé, le jeu reste quand même jouable. Ouais, c'est ça qui est pas mal sur celui-ci. Ouais. C'est que ça a toujours été un peu le cas, pour, à mon avis, avec Tekken. C'est que quand tu sais pas jouer, tu bourrines un peu toutes les touches et t'arrives à sortir 2-3 trucs corrects. C'est plus dans Soul Cap, ça. Dans Soul Cap, c'est plus visible, mais ouais. Tekken, ça reste jouable. Alors que si vous jouez contre quelqu'un qui sait vraiment jouer, c'est pas la peine. Vous aurez beau bourriner toutes les touches, ça fera quand même mal. Alors, on va prendre une équipe de personnages que je connais, donc aléatoire et aléatoire. Et... Voilà. Moi, j'ai réuni les sœurs Williams qui, normalement, ne sont pas réunies, mais... Voilà. Et on va en Finlande. Pourquoi pas.
Il y a des bonhommes de neige. Non, c'est vrai qu'il est quand même assez beau, parce qu'il est assez abouti depuis le temps qu'il a été fait. Mmh. Par contre, en termes de gameplay, de technique, c'est clairement un peu de choses près du Tekken 6. Et Tekken 6, lui, commence à avoir de l'âge. Ah. Alors, ça reste tout à fait jouable, hein. Oui. Mais... Nous pouvons admirer les tenues qui sont tout à fait adaptées au à la région finlandaise. Sauf que moi, j'ai quand même une ninja des plages. Hein. Toi, une fille te saute dessus comme ça et tu la dégages, quoi. Oui, carrément. Ah bah oui, non, mais si tu commences à disparaître dans la neige aussi... Ah bah... Ah non, ça c'est pas du jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, Magical Girl maillot de bain. Voilà. Non mais les sœurs Williams sont pas faites pour aller ensemble de toute façon. Mmh. Espèce de musique de Noël. Faut dire en même temps les reines. Attends, je te propose juste qu'on s'écarte, qu'on arrête de se taper dessus et qu'on jette un coup d'œil au décor derrière. Parce que le chalet du père Noël illuminé et le renne en glace, sérieusement. C'est un côté plutôt glamour quand même. Ouais, voilà. Bon, allez, on peut y retourner. Merci. Ouais, mais. Bon bah je manie mieux la brune que la blonde a priori. Et bien voilà. Ce niveau était quand même assez énorme. Je vais juste jeter un œil au timer. Voilà. Sur combien on en est. Et je vais essayer de jouer en solo contre toi en duo pour voir combien de temps je dure. En jouant avec... Avec Paul. Je joue toujours avec mon personnage préféré moi. Aléatoire. Aléatoire. Ah. Et là... Et Yachi qui est dans sa version jeune dedans. Faut savoir que les Tekken Tag se situent pas dans l'ordre chronologique des Tekken. Oui, la mère morte croise la fille qui... C'est ça. Ouais. Normalement, Jun Kazma est mort depuis très longtemps. Tekken 1, si je m'abuse. Ou 2. Le 2, il me semble. Et elle était déjà dans le Tekken Tag de base. Le premier. Oui, ce Tekken-là est clairement pas fait pour un scénario. Non. Mais en même temps, qui joue un jeu de baston pour un scénario? C'est-à-dire que dans les Tekken, il y a toujours une storyline et une certaine mythologie, on va dire. Une évolution. Le père qui tue son fils, le fils qui revient, qui tue son père. C'est un peu ça. Le grand-père qui revient, le fils et le père qui veulent tuer le grand-père, enfin bref. Un scénario très jeu de baston. Voilà. Et j'y vais tout seul. Oh. Alors par contre, tu joues aux touches, toi, il me semble. Faudrait que je vois si ça peut pas se configurer. Les sticks m'ont pas l'air d'être activés. Je joue toujours aux touches dans les jeux de baston. Bon, allez. Quelques grappes de finesse. Ce combat devient très préhistorique, en fait. Ah, c'est celui-là que je te disais, le niveau dans la boue, regarde. Les personnages sont crades maintenant. Je vais éviter les blagues sexistes. Eh, on a pris des personnages masculins pour le tester. Je veux dire, je savais plus lequel c'était celui avec la boue, mais... D'ailleurs, ça, c'était un peu loin. Surtout que tu sais pas du tout ce que j'essaie de te sortir depuis tout à l'heure maintenant. Non, pas du tout.
bah ça passe quand même. Et bah ça passe. Et ça passe aussi. Ah. Alors là, vous comprenez peut-être pas, mais il y a Mathieu qui vient de se connecter en ligne. Donc, comment dire? Tu m'aurais menti. C'est un peu ça, oui. Je suis multiple. Ah là là. Donc quand vous jouez tout seul, vous avez vu, je m'écartais comme un gros lâche à un moment, parce que ça me permettait de regagner de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous aurait... Oui, j'aurais dit, qu'est-ce qu'on vous a pas montré? Mais il y en a encore un paquet qu'on vous a pas montré. Par exemple, Lily. Et puis, Zafina, histoire de faire une équipe féminine. Voilà, pour changer. Il était en train de sauvegarder. Zafina contre Zafina, donc. Ah, tu t'es mis en solo? Oui. On va voir. Un peu de temps pour l'aléatoire. T'as vu, voilà, c'est le problème, c'est que même s'il demande, je crois, à nouveau... attends, je l'ai sur la boîte, combien il faut. Ouais, c'est ça, 7,5 de d'installation sur la console. Il y a encore trop de chargement à mon goût. Alors, à première vue, le budget vêtements, c'est Azafina qui l'a eu. Voilà. Que ce soit n'importe quel costume, elle a pas l'air très vêtue de base. Bon, par contre, elle a gagné en chorégraphie. Hein. Elle fait des mouvements trop étranges pour moi, Zafina. J'arrive pas à la suivre. J'ai l'impression qu'elle a plus tellement de dos dans les bras, en fait. C'est une espèce de serpent en mini-jupe. C'est un peu ça. Ah, tout le côté un peu guenon, là. Voilà. Bon, d'accord. Non, non, c'est bon, je rigolais. Non, mais j'aime pas les guenons, je crois que je t'avais pas dit ça, par contre. C'est un, depuis tout petit, un traumatisme lié au singe. Oui, ben ça, c'est l'habitude du Soulcar, hein. Oui. Je pensais qu'il restait plus de vie que ça. Alors, on va les montrer autre chose. À notre mode de jeu? Ouais, non, avant d'aller montrer notre, l'autre mode de jeu, on montrera après la pub. D'accord. Là, j'irais bien faire un tour dans personnaliser. Ah, c'est toi qui as la manette. Donc, si tu veux bien descendre dans personnaliser. Alors, personnaliser. Voilà. Histoire de vous montrer que c'est quelque chose qui n'a pas changé avec la série Tekken. Personnage. Donc, on va en prendre un au hasard. Par exemple, vas-y, choisis un personnage. N'importe lequel. Ah, d'accord. Ah bon, on peut même pas prendre un aléatoire. Alors, tiens, je l'aime bien, lui. Bob. Voilà. Une fois qu'on aura sélectionné Bob, choisis le costume vide, donc le 01. Voilà. On peut donc lui changer son costume. Donc avec divers éléments qu'on a déjà, donc dans utiliser cet élément. Mm-hmm. Tu peux changer de côté, en allant sur les côtés. Et tu pourras sélectionner différents costumes. Commençons par le meilleur. Donc avec des rendus plus ou moins potables, mais en général c'est tout pourri. Et ça donne des choses très drôles. Tu peux continuer à aller sur la droite, tu devrais en avoir d'autres. Je trouve ça normalement. Classe. Je suis désolé, mais... Oui, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que en précommandant le jeu, dans le DLC, j'avais deux persos en plus, un DLC complet de maillot de bain, une nouvelle tenue pour Lily, et Tekken 1 téléchargé dans 6 langues différentes, je crois. Voilà, tu peux l'équiper. Et donc, c'est utilisable. C'est ça que tu me disais tout à l'heure en testant que tu t'es fait tirer dessus au pistolet laser. Oui. C'est que avec le bon. Les bonnes touches, tu peux utiliser les armes apparemment. Ça, ça a l'air d'être nouveau. Oui. Donc, je te propose d'en choisir une. Je pense que Bob est assez subtil pour qu'on lui mette une masse d'armes. Ça m'a l'air bien, la masse d'armes. Donc, c'est carré rond plus haut pour l'utiliser. Mm-hmm. D'accord. Tu les sélectionnes avec croix. D'accord. Si, alors non, pas encore fait. Bah oui. T'as la masse d'armes, c'est bon. Maintenant tu peux revenir en arrière, donc avec rond. Prends la porte de la photo comme tu le sens. Oui. En même temps, il rentre pas dans le cadre. Voilà.
On va dire que c'est bien. On va dire que c'est parfait. Et on va essayer de mettre une autre arme, un autre perso pour aller tester les armes. Alors là, je découvre ça vraiment en même temps que vous. C'est peut-être ça, du coup, quand tu joues en arcade, des fois, t'as des coffres, qu'on a vu tout à l'heure, et t'as une étoile bonus. C'est peut-être des armes comme ça récupérées. C'est possible. Va donc acheter cet élément pour voir. Acheter un élément pour votre personnage. Et voilà, on peut acheter pas mal de trucs, donc des coupes de cheveux plus ou moins réussies. Voilà. Plutôt moins en général. Ouais. Le home de chevalier, je dirais qu'avec la masse d'armes, ça passe bien, sauf qu'on n'a pas assez de gold. Attends, si on a assez de gold. Hein. Oh bah ce serait dommage de louper ça quand même. Vas-y, mets-lui le home. Et voilà. Puis va sur le côté, sur la droite, voir si on peut pas lui trouver d'autres trucs un peu funky à lui mettre. Des lunettes, des... Bah oui, mais en même temps, les lunettes... Non, les lunettes, ça sert à rien. Dans les tenues, plutôt. Bah, oh là. Doudoune, l'armure de chevalier, on a assez aussi. Le chevalier McDonald. Voilà. Comment dire? C'est pas censé faire ça, une armure, normalement. Vas-y, pars pour ça, ça va le faire. Bon, bah, acheter l'intégrale du chevalier. Faut savoir que là, donc, c'est Bob version gros. Dans les futurs personnages à arriver, il y a Bob version maigre aussi. Ce qui changera un petit peu. Ah, bah voilà. Le bas de l'armure de chevalier. Ça va être ridicule. Ouais, je sais. Ça va être ridicule, mais voilà. Alors, t'as aussi tout un truc pour les déguiser en Power Rangers, en perso de Sentai. Okay. Et Bob, ça doit être Force Jaune, il me semble. Oh, quel bonheur. Là-dedans. Bob en Force Jaune, ça va être plutôt Pac-Man. Hein. T'as la rondage qui pourrait éventuellement aller. Voilà, ça lui fera bouclier sur le bras. De toute façon, on a des golds, autant les utiliser. Ouais. Et autre puis, chose. Est-ce qu'on a autre chose? Le fusil, non, pas spécialement. Là-dedans, je dirais... L'arc de Cupidon, ouais, non. Faut pas abuser des bonnes choses. Oui, mais me tente pas, hein. Non, mais ça va faire ridicule sur l'armure. Ah, pardon, excuse-moi, l'armure ne fait pas assez ridicule. Non, bah bien sûr que non. Voilà. Eh bien, tu veux peut-être équiper... Hein. Non, mais ça va aller, reviens en arrière, du coup. Voilà. Voir ce que ça donne. Eh bien, je présume qu'il faut équiper, maintenant. Attends, à mon avis, c'est en train de charger, là, tu vois, le petit icône orange, oui. Et... Utiliser oui, voilà. Éléments. On les a achetés, il faut les utiliser. Alors, donc... Le home. Home de chevalier. Voilà. Ça, c'est fait... Le maillot de bain, on va peut-être éviter. Mais c'est bien dommage. L'armure. Voilà. Donc il va être en armure, en jean en dessous. Mais non. Je suis... Ah non, oui, quoique oui, c'est ouais. Le reste du jean. C'est pas grave. Part pour le chevalier. Et la masse d'armes, il l'a déjà, je crois. Oui, elle est équipée, la masse... Ah oui, la rondage. Ah oui, mais c'est rondage ou masse d'armes. Ah. Bah, part pour la masse d'armes, alors. Histoire de tester... Ça semble être fou ridicule. Ouais. Alors, la masse d'armes... Tout en bas, au-dessus des ballons explosifs. Et puis, bah, reviens en arrière, ça va aller. C'est tout. Ça, c'est quoi? C'est une fleur. Ah bah, ça change tout. Voilà. Bon, bref. On revient en arrière. On va passer par la case photo. Voilà. Ah, les souris, mon gros. Magnifique. Voilà. Donc, on peut créer toutes sortes de costumes, enfin créer. C'est les éléments qui sont déjà prêts, c'est pas comme dans le Soul Calibur 5 où vous avez vraiment un créateur de personnages ultra poussé. Vous pouvez changer la morphologie des personnages et tout. Là, Bob reste Bob, hein, là, mais en armure. Plus inspiré de Soul Calibur 3. C'est plus inspiré de ce qui se faisait avant, ouais. Ouais. Le 3 ou le 4, il me semble aussi. Le 4, bah, ils ont tous joué comme ça à la personnalisation depuis le 3. Oui. Mais. Tu peux aussi changer les coupes de cheveux, mais t'as pas obligé de racheter les trucs en fait, c'est des éléments qui se débloquent. T'as pas le système de gold. D'accord. Bah, écoute, on va repartir en arrière, on va se faire un petit combat avant de prendre la pause. Et puis... Donc mode hors ligne. Mm-hmm. Au-dessus. Voilà. Et versus. C'est parti. Bon, attends, excuse-moi. Moi, pour me détendre, je fume un stylo. Voilà, c'est normal. La technologie a apporté des choses quand même assez révolutionnaires. Alors... Bah, je te propose de prendre juste... Ou attends, si ça dérange pas, je vais... Non. Prends juste Bob. Prends-le juste en solo, Bob. Ouais. D'accord. Voir ce qu'il vaut alors, contre... Alors, où est-ce qu'il est, le Bob?
Et moi, je vais prendre des personnages bien à sa taille. Et... Alors, tu l'as sélectionné avec carré ou pas? Je peux revenir en arrière? Ah. On va relancer, c'est pas d'accord. Grave. Alors, donc, mode en ligne. Et versus. Versus. Ça qui est bête, c'est que quand tu t'as sélectionné le premier perso, tu peux pas revenir en arrière. Ou alors il y a un système que nous ne connaissons pas. C'est possible aussi. Alors donc. J'avais dit de prendre Marduk. Donc voilà, on va prendre Sir Bob. Et puis. Où est-ce qu'il est, Jinpachi? Là. Voilà, donc Sir Bob du Graillon. Et Jinpachi en armure de. De samouraï. Histoire de coller un petit peu. Un des deux pays a moins à manger que l'autre. On ne titrera pas. Voilà. On vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Et donc, je vais te laisser l'utiliser quand même pour qu'on voit si ça marche vraiment la masse d'armes. C'était donc haut et. C'était carré rond, je crois, ouais. Gauche et droite. Marduk qui a du poil au torse, ça fait viril. Alors voyons voir. Eh bien ça marche. Ça marche. C'est quoi ce niveau d'ailleurs? Bot ce cas. Ah oh. On débloque du trophée en même temps. A mon avis, c'est pour avoir utilisé la masse d'armes. Attends, je t'envoie mon samouraï. Bon, c'est quand même lent à utiliser. Oui, donc oui. C'est plus gadget qu'autre chose. Mais l'idée est là. Trop loin. Les chevaliers ont gagné. Enfin, les chevaliers gagnent toujours. Dans un signe, oui. Voilà, ça, ça veut dire approche pas. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais essayer de montrer un truc, tant pis, c'est pas grave, je trouverai bien le moyen de le faire. Je te laisse faire un peu? Non, non, okay. Au pire, je le montrerai plus tard. Donc, victoire de Sir Bob du Graillon. Voilà. Qui se dandine magnifiquement dans son armure en métal qui bouge. Voilà. C'est bon, alors c'est beau, mais le problème c'est que les costumes aléatoires c'est juste des textures rajoutées sur les personnages. Et donc niveau, niveau crédibilité, des fois c'est un peu pas ça. T'es trop modeste quand même, c'est beau. C'est... Bah, dans les cinématiques au moins. Non, mais même quand tu joues en... avec les costumes de base qui sont prévus pour, c'est oui, ça marche pas mal. Après, bon, il y a quelques bugs d'affichage, ça. Il faut dire que mettre une armure de chevalier sur Bob, fallait pas s'attendre à... Ça se tente. Ça se tentait. Bon, sur ce, je te propose de... Ah oui, c'est vrai que tu ne connais pas. L'émission a besoin d'argent pour fonctionner. Ah, la pub. Donc il y a voilà, un sponsor, la pub, que je te propose de regarder tout de suite. C'est juste là. Ok. C'est la pub. And now, Tekken Tag Tournament 2 is proud to announce you a new feature. On va tout déchirer. Eh, hey, t'as vu ça, Kuma? Quand il se la pète, genre, il va se battre contre nous à 1 contre 2. Oh, je rêve. Puis t'as vu ce style, la guitare sur l'épaule, là, genre, je vais vous taper dessus avec. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est comme mes nunchaku, c'est que de la déco, les armes. Je rêve. Eh. Hey. Mais c'est quoi ce t-shirt, Kuma? Ouais, bah, je sais bien, mais bon. Faut pas déconner non plus. Voilà, c'est tout ce que tu fais cette fois ou quoi? Tu es tout seul alors forcément, c'est pire. Oui? Non, tu me laisses la passe? Ok, j'y vais.
Approche, l'ours. C'était la pub. Nous voici de retour après cette coupure pub. Magnifique pub. Impressionnant. Nous sommes d'accord. Impressionnant. Ah, il y a du budget. Ah bah, attends. Donc, on va vous montrer un peu les menus, voir les différents modes qu'on trouve avant de reprendre autre chose. D'abord en hors ligne, si tu peux y monter. Hors ligne. Hors ligne, c'est... Online, hors ligne, voilà. Voilà. Le mode arcade, donc vous jouez tout seul avec une équipe de 1 ou 2 joueurs sur 8 combats différents, je crois, qui vous permet de débloquer les cinématiques de fin des personnages, ce qui est assez réputé dans Tekken, puisque les cinématiques sont en général plutôt jolies. Mode fantôme, vous affrontez un fantôme au hasard, donc un personnage créé aléatoirement, ou alors un historique d'un autre joueur, donc ça va vous répertorier un style de combat des fois, et surtout des personnages moches avec des chapeaux bizarres. Et des fleurs. Et des fleurs aussi. Le versus, c'est ce qu'on vient de faire, donc 1 contre 1. Le combat en équipe, c'est du 1 contre 1, mais chaque joueur se sélectionne une équipe de... entre 1 et 8 équipes de 1 ou 2 joueurs à chaque fois. Et dès qu'une équipe perd, c'est l'équipe suivante qui prend le relais, et le premier joueur à ne plus avoir d'équipe valide a perdu. Défi chronométré, des défis à faire de manière chronométrée, je suppose. Oui, on l'a pas ouvert en fait. C'est très classique dans Tekken en fait, ce que vous retrouvez là. Survie en dessous. Des combats enchaînés jusqu'à ce que vous mouriez, tout simplement. Entraînement, le mode pour s'entraîner. Et attends que je dise pas de bêtises, c'est peut-être celui avec Combot celui-là. C'est un mode où tu joues Combot et on te donne des choses à faire. Et équipe de 2, ce qu'on va lancer donc maintenant. Où on devrait se battre ensemble. Voilà. Donc je vais appuyer sur Start, et voilà. Donc, comme ça, on peut y jouer jusqu'à 4 sur la même télé. Sachant qu'il n'y a que 2 joueurs qui s'affichent en même temps. Alors, je suis le P2, tu dois être... Je sais pas où tu es, d'ailleurs. Ah non, c'est je sélectionne d'abord. Qu'est-ce que je vais prendre? Défiance. Je te laisse choisir. Eh bien, moi, je vais... Ouais. Alex ou dinosaure. Très bien. Parce que c'est à la classe. C'est quand même un dinosaure avec des gants de boxe. On trouve pas ça partout, c'est... quoi. Tout ce que je vois qui a plus la classe, c'est un kangourou avec des gants de boxe. Mais il faut vraiment aller chercher loin. Ouais, puis alors, c'est un kangourou avec les gants de boxe, ça croise pas les rues non plus, quoi. On admire le magnifique profil de Nina. Celui d'Asuka aussi, d'ailleurs. Oui. Donc je suis prêt, et toi, on s'en fout. Voilà. A priori. Voilà. Donc Asuka vient nous faire un bras d'honneur. Donc, là, et là j'ai envie de dire vengeance. Là c'est toi qui joues. Donc là c'est moi qui joue et si je fais tag, te voilà en jeu. Voilà. D'accord. Donc c'est maintenant, on va voir si on est une bonne équipe. Une bonne équipe de winners. Alors du coup, par ce système là on peut aussi jouer... Hop, vas-y. Hep. Je te laisse la place. Donc on peut aussi jouer un contre un en jouant chacun un perso et leur dire joue notre coéquipier, mais ça aurait moins d'intérêt. J'ai fini en... Oh oui, non, mais j'ai pas plus. Et j'aime bien ce petit coup. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai peut-être spammé le même coup quand même. Et il est efficace, les gars. Je vais peut-être te prévenir en fait. Voilà. Voilà. Donc normalement en coopération on devrait se prévenir, mais là. Oui, on n'a pas envie en fait. Là ça passe tout seul. En même temps, je suis un dinosaure, je ne parle pas. Et là j'aurais pu faire une remarque qui aurait été absolument. Oui. Mais. Mais je l'aurais, je l'ai pas fait. Mais ça aurait été très masochiste quand même. Oui. Masochiste, non, je confonds les mots. Enfin, bref, ça répétait bien. Je peux pas m'en rappeler plus. Voilà. Si vous, téléspectateurs. Misogyne, voilà. Misogyne, bien sûr. C'est ce que tu as dit depuis le départ, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit dès le début, de toute façon. Ah. Tiens, t'as Batman là.
Une espèce de cosplay Japan Expo raté. Et c'est à toi. Ah. Oui. Oh là. Ouais, alors oh là. Ça, on sait pas le faire, mais c'est pas une raison. Pardon, excuse-moi. Gros. C'est pas grave. Voilà. Non, toujours pas. J'arrive plus à le faire, ça. Normalement, je peux... Je pourrais normalement te faire apparaître en faisant ça, mais... Excuse-moi. C'est pour l'effet de surprise. Là, c'est réussi. Ouais, mais sauf que l'effet de surprise, normalement, c'était pour eux. C'était pas pour toi. Ça va, ça a pas l'air d'avoir trop déstabilisé non plus. C'est l'instinct animal. On a une équipe de winners, ouais. Moi je te le dis. Donc il y a des petits textes qu'on peut avancer. Voilà. Voilà. Histoire de nous occuper pendant les chargements. Mais ça me fait pas oublier qu'il y a des chargements en chien. T'as Nemesis, le kangourou avec les gants de boxe. Ah. Les kangourous avec les gants de boxe. Ouais, bah d'ailleurs, ouais. Son commentaire était très... Moi je suis pas tout à fait d'accord, mais... Je vous en discute après. Et nous voici donc en Hollande à la fête de la tulipe et du Gouda. Sachant qu'il y en a un derrière qui propose sa meule là. Non mais on se bat monsieur, là on n'a pas le temps. Bon bah one shot l'équipe, je dirais rien. Excuse-moi. Non vas-y. Attends, je le dégage, vas-y. Oh, bah non, c'est ma Nemesis. Bah je sais bien, mais prouve que c'est toi le plus fort. Je veux dire, t'as pas de poils, toi, comment tu peux te faire battre par un kangourou? Je ne vous connais pas, monsieur, rendez-moi l'animal avec les poils. Ah, puis l'autre avec sa meule de Bouddha, c'est juste pas possible, en fait. Comment tu veux jouer sérieusement? Il y en avait un pire que ça en Tekken 6 de niveau, où tu te battais dans le haut de la... Enfin, dans une prairie sur le haut d'une montagne. Avec une musique à la Heidi et des moutons qui gambadent et tu shootais dans les moutons en fait, en te battant. C'était juste impossible de rester sérieux sur ce stage là. Déjà la musique te montait à la tête très vite. Oh non. Ah. Là ça va être compliqué. Là je vais peut-être jouer comme un con qui spam. Ok. D'accord. Bah écoute. Merci. Je sais que t'aimes bien les ours, donc. Oui, voilà. Ouais. Mais en fait, vas-y, Fedobir attaque. Il tape sur les petites filles quand même. Ouais. Moi je trouve pas ça très net. Hein. Après chacun fait ce qu'il veut, mais. T'as qu'à le narguer aussi. Vas-y, un taunt en plein milieu. Mademoiselle, on se voit. Ouais, alors. Bonjour. Le pédobien vient de me mettre un coup de cul quand même. Hein. Moi je dis ça. J'avais plus beaucoup de vie. Je déteste cette équipe. Qu'on se le dise, hein. T'as assez chargé. Attends, on va pas se faire battre par un mec avec une coiffure de une coiffure aussi ridicule, quoi. À part son Goku, y'a personne qui peut nous battre, là. Je viens quand même de le battre avec un tac à la cheville. Oui. Ok. Je crois que ces claques font un peu plus mal. Vas-y, viens, nounours, je t'attends. Ah, oh là, bonne nuit, Paprenel, bonne nuit, Nicolas. Oh là. Alors ouais, je sais, je devrais te prévenir, mais c'est le réflexe de je vais mourir, en fait. Mais moi aussi, tu sais. Bon, bah vas-y, rends-moi la place, alors. Viens, l'ours, je t'attends. Ah bah non. Viens, le chevelu, je t'attends aussi. Ah.
Revanche. Les mêmes. Je garde la demoiselle. Et en plus, histoire de les humilier vraiment cette fois, je la mets en maillot de bain. Ok. Alors par contre, je crois que le dinosaure, il a pas de maillot de bain. Je suis désolé. Ou alors si, mais je l'ai peut-être pas encore enregistré. Il est où d'ailleurs le dino? Je sais plus. Juste au-dessus, à côté de Tiger Jackson. Ok. Oh. Bon, avec. On essaiera de lui mettre un maillot de bain après, oui. Si tu veux. En deux pièces. Jurassique. Ça va être bien. Avec des crânes de mammouth là. Get ready for the next battle. Donc, je sais, les mammouths n'ont jamais côtoyé les dinosaures. Non. Les Hamptons n'ont jamais côtoyé les humains non plus. Ok. Là, si on gagne, ce sera. Un peu de gain. Voilà, Pédoguer à prof, suis apné, pas regardé avant 21h30 ou 22h30, je sais plus qui. Ouais, mais j'ai des tongs, j'ai glissé. Il y avait été. Ouais. Je suis en train de me faire pulvériser. D'ailleurs, je te laisse la place. Oui, je veux bien. Si j'arrive. T'as eu l'effet de surprise, ça a marché. D'accord. Pas tard d'être laissé. Vas-y la si tu veux. Le maillot de bain fait son effet. Ah non, je rappelle plus. Que Xiaoyu est majeur. Quand même. Si, elle est majeure, peut-être. Ouais, je crois. Oui, elle est majeure. Oui. Oh, bah, au Japon, elle est majeure. La majorité sexuelle japonaise est de 11 ans et demi, je crois. Je te laisse la place. Oui. On est à droite. Oui, c'est, voilà, t'as dû le voir, mais... On a un peu changé de sens. Ça fait mal, ça. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Vous pouvez tout en laisser la place. Trop tard. Ils en ont gagné... Ouais, voilà, ils en restent une. Bah, le taunt, c'est pas nécessaire. Ouais, mais alors le taunt, il est automatique quand j'utilise cette attaque-là comme un contre. Ouais. I love a little girl. Mais tiens, où c'est qu'elle veut dire? Je suis obligé, hein. Ah, quoique, hein. C'est pareil que moi. Ouais. Laisse. Je te laisse. Mais ça fond très vite, les barbes de vie. En même temps, c'est un petit peu... C'est très préhistorique comme combat. Ouais. Voilà, donc... Donc on peut admirer quand même notre talent. Voilà, on a quand même réussi à battre les trois premiers, trois premiers groupes. Non, mais on va essayer de faire quelque chose, quand même. Voilà, et je viens t'engueuler parce qu'on a perdu. Ah bah on va rien essayer de faire d'ailleurs. Ouais voilà, tu me diras le maillot de bain avec un stage dans une on se bat dans une fontaine. Oui. C'était raccord. C'est crédible. Combien de temps il nous reste? Il nous reste encore un petit peu de temps. Le labo de combat, voilà. C'est le mode où, on va pas lancer parce que c'est chiant, vous jouez combot et vous avez plein de choses à faire, on vous apprend à vous battre, donc avance, recule, fais ça. Ça remplace le mode entraînement en fait, normalement. Donc voilà, personnalisé, on y est passé tout à l'heure. Musique de Tekken pour accéder donc aux musiques du jeu et les changer. Je peux montrer rapidement. Vas-y. Voilà, musique de Tekken. Non, on va prendre n'importe quel stage si tu veux, et puis la sélection de perso par exemple, ou l'Arena Tokyo. Ouais, voilà, l'Arena Tokyo. Et alors par contre, c'est les musiques du jeu, bien évidemment, on peut pas prendre ses propres musiques. Il me semble qu'on peut, moi. Ah ouais? Oui, j'ai cru voir ça tout à l'heure, avec des MP3 qui peuvent ralentir le jeu si le MP3 est trop lourd. D'accord. Donc je ne sais pas comment ça marche, mais... Tu me diras, si je me souviens bien, c'était possible de le faire dans un Wipeout sur PSP. Ou si t'aimais pas la musique électro du jeu, tu pouvais mettre tes propres musiques. Ouais, donc... Vas-y. Vas-y. En parlant d'électro, vous aurez certainement remarqué, on n'en a pas parlé, que la bande-son du jeu est donc très électro-dubstep, ce qui marche...
plutôt bien en ce moment, donc ça explique un peu le choix. Et ça colle assez bien l'ambiance du jeu, je dirais. On est loin des thèmes épiques de... De Soul Calibur, mais ça doit être le même studio. C'est vraiment deux jeux très différents, donc... Oui. Au niveau du gameplay, au niveau de... Donc vas-y, sélectionne n'importe lequel qui te fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir parce que je ne le connais pas. Et puis tu peux revenir en arrière, voilà. On va aller voir autre chose. Le mode galerie qui vous permet donc d'admirer les cinématiques quand vous avez fini avec un perso. Et après, profil option, pour modifier votre profil et vos options, jusque là, voilà. Je te propose de retourner dans le mode... Ah oui, j'ai pas parlé du mode en... Est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller friter les gens en ligne, hein? Est-ce qu'on essaierait pas de se faire friter en ligne par des gens? Ouais, alors je garantis pas que ma connexion tienne le coup, on va bien voir si ça rame comme pas possible, on arrête pas vite. Donc vous pouvez admirer une carte du monde. Différentes couleurs, donc l'Eurasie du haut c'est bleu, l'Afrique a un bout par là-bas c'est jaune. Oui. Tandis que ils ont très réduit l'Asie qu'on connaît à un tout petit coin avec le Japon, la Chine, la Corée. Pendant les temps de chargement, vous pouvez vous amuser à retrouver les différents pays. Voilà. Attention, où se trouve le Kurdistan ? Alors là, tu peux me répondre n'importe quoi, j'en sais rien non plus. Ah non, moi non plus. Demande au spectateur. Si vous aussi, vous savez où se trouve le Kurdistan, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que... Une capture d'écran avec une flèche et le Kurdistan. Téléchargement des effets de mode, c'est un peu long, mais bon, c'est pas grave. Et le gagnant sera cité au prochain... Au prochain Shut Up and Play, voilà. Voilà. La prochaine vague que j'enregistrerai parce que je vous garantis pas que vous soyez dans le prochain. Ou alors je le citerai dans un coup de cœur, coup de gueule, comme ça ce sera plus rapide. Le premier qui me dit où se trouve le Kurdistan. Matchmaking selon classement. Ouais, vas-y. Ok, lancez la recherche. Vas-y. Ouais. Ok, ouais. Ok. Chat alors, local, on va pas le mettre, même en fait, si j'aurais... la limite de rang... Ouais, bon, allez, hop. Lancez la recherche. Alors... c'est quoi les différences? Ah, équipe de deux, voilà. Pour qu'on joue tous les deux, en ligne. Voilà. Allez, on fait une équipe de deux. Eh bien... Moi, je te préviens que je vais prendre King. Je vais essayer. D'accord. Alors, je vais prendre June, si je la retrouve. Elle est là. Oui, oui. Chargement. Mais je peux pas prendre... Non. Non, allez. June normale. Voilà. June normale, costume 2. Moi, je te prends King, version cuir intégral. Voilà. Parce qu'un catcheur en cuir intégral avec une tête de tigre, c'est quand même la classe. Oui, ça a quand même un côté très hétérosexuel, je trouve. Nous ne relèverons pas cette remarque. D'accord. Il n'a trouvé personne, donc on se bat contre un Mokujin. Voilà, en attendant. Se battre est un grand mot. C'est un mode entraînement, donc. Ah tiens, passe-moi le tag, ou quoi, je l'ai peut-être fait moi-même, là, du coup. Oui. Est-ce que ça marche? J'arrive plus à le faire, normalement, tu pouvais faire un tag. Non, c'est pas ça non plus. Et tu pouvais envoyer l'adversaire à la place en même temps, mais... Donc le mode entraînement qui était très chiant, qu'on ne voulait pas vous montrer. Le voilà. Le voilà. Alors si très vite on ne trouve pas de partie, on va arrêter de foutre un pauvre Mokujin qui ne demandait rien. Justement, il se défend pas. J'ai l'impression d'être bon là. Défends-toi, pauvre arbre. Bon, on arrête la déforestation et on sort sur autre chose. Bah ouais, écoute, c'est pas comme si on avait... Non, tu vois, tu n'y arrives pas non plus. Mm-hmm. C'est... Oh. On peut jouer pareil, essayer de piquer la place de son partenaire, mais ça peut très vite être lourd. Ah ah! Non, c'est juste pas la même shop. Bon bah écoute, vu qu'on n'a pas d'adversaire, on va peut-être arrêter. D'accord. En fait, moi je voudrais faire. D'accord. Bon bah c'est juste mauvais.
Annuler recherche, oui. Bah du coup, ouais, parce que ça donne rien. Alors, soit c'est la faute à mon wifi pourri, soit c'est la faute à y a personne en ligne. Je sais pas. Bon, bref. Ou soit on s'y est mal pris. Soit on s'est peut-être mal pris et ouais. On est des tanches, possible aussi. Voilà, donc classement, les différentes infos de classement. Voilà, chaîne Tekken pour revoir des matchs, ou les rediffusions qu'on a sauvegardées, parce qu'on peut... On peut exterminer un newbie d'une manière absolument ignoble et se dire ah, c'était rigolo, je la garde. Oui. Ou se faire exterminer d'une manière absolument ignoble. Oui, bon, c'est plus souvent ça, mais. Ou aussi plus améliorer ses techniques. Aussi. Voir un peu les erreurs qu'on a faites pour les joueurs avancés. Donc on revient en arrière. Je te propose de tester un truc en mode hors ligne, d'aller se faire un combat en versus classique. Versus classique. Voilà. Et pour terminer, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va hop, se mettre en tag. On va sélectionner que des personnages féminins et en maillot de bain. On va prendre le stage piscine. Bien sûr. Voilà. Mais quelle meilleure idée peut-on avoir de terminer en beauté. Oui. Alors, est-ce que je me fais un duo de pouf? Ouais, je prends les sœurs Williams. J'ai envie de dire bravo. Non, mais quand même. Enfin, déjà que de l'ethnie de base, voilà. Pour Anna et pour Nia, quoi que l'histoire a prouvé que je suis mauvais avec les sœurs Williams. Donc, Je vais prendre Lily. Voilà, avec un superbe maillot de bain. Enfin, les tenues de base sont aussi... C'est assez bof, quoi. Voilà. Alors je sais bien que c'est porté sur achetez-vous des nouveaux équipements customisés, mais les deux tenues de base, en plus je crois que la deuxième est à chaque fois moitié sponsorisée par une marque de fringues, de t-shirts, je sais pas quoi. Tant qu'à faire. Donc Et puis moi j'ai envie de dire, on n'a jamais su si c'était un homme ou une femme. Celle-là, je l'aurais pas tenté. Mais on n'a jamais su si c'était un homme ou une femme, un grand maillot de bain. Voilà. Alors, pour trouver le niveau du... ce serait bien celui-là. Dans sa race, peut-être que les pectoraux sont des seins, on ne sait pas. On ne sait pas. J'ai quand même un doute. Hein. Moi aussi, mais... Mais bon, ça se tente, ça se tente. J'avais envie de le battre contre, avec un grand maillot de bain. Admirez cette équipe ultra sexy. Avec Monsieur Salade et... Tandis que de mon côté, comment dire? Non, on va rien dire en fait. Après, je vais encore confondre les mots, je vais dire n'importe quoi. Ah, l'amour tarifé. Ça, c'est pas très gentil. Tu m'énerves, il y a un grand monsieur tout vert qui va venir. Ah. Alors, quand tu le rends slip, oh bah. Je sais pas jouer avec. Oh là, oh oh oh, oh minou. C'est ce qu'on appelle se prendre un coup de pied au cul, je crois. Ah, bien joué. Je pensais qu'elle passerait. C'est marrant, t'as les mêmes idées que moi à chaque fois. Oh, monsieur Salade. Ok. Ça, je l'ai moyennement bien pris quand même. On peut donc remarquer le... détail des textures. Voilà, on peut remarquer que Nina, quand elle met un maillot de bain, met des talons avec. Voilà. Parce que les sandales pour la plage. Non, mais c'est un truc. C'est un truc de famille en plus. C'est un... Et le cast fight. Voilà. Je suis désolé, cette vision me bloque un petit peu. On te retente un combat de maillot de bain? Oui. Allez, mais en plus qu'un, faut pas abuser des bonnes choses.
Ah oui, c'est vrai que c'est moi. Toute cette chaleur, j'avais envie de fumer un stylo. Alors... Zafina... Eh bien, June. Non, j'aurais pas dû faire ça, je sais pas si je pensais... Oui, je peux encore en changer. En même temps, lui, il est comme plus ou moins envoyé dedans. C'est vrai. Bon, d'accord. C'est pas faux. Bon, allez, June. Alissa, et puis... Allez, faisons un combat Ichi à la japonaise. Asuka. Ah, June et... Ah non, c'est vrai qu'il est moche son maillot de bain, June. Ah, c'est clair. Ah non, mais on a payé que ça devait être beau, hein. Ouais, mais non, tant qu'à faire, autant... Non, JC, je me suis planté avec tout à l'heure. Ah non, c'est le dernier combat, faut bien choisir, quand même. Je me tente pas. Il y a pas de maillot de bain pour Roger, où je l'ai pas encore mis. Mais il est déjà à poil. Non, mais on va rester sur Zafina, en fait. Alors, faut savoir que tous les maillots de bain donc, qui sont là, qu'on utilise pour le fun, c'est un DLC qui était donc fourni avec la préco, et ce DLC-là est annoncé quelques jours juste après que DOA ait fait « Hey, si vous pouvez commander DOA 5, il y aura des maillots de bain. » Donc ça ressemble quand même à un gros taunt, parce que c'est quand même juste des textures maillots de bain mis sur les personnages, quoi. Et on sent que ça n'a pas été travaillé. Nous allons nous battre en... Ou on reprend le... Ah oh bah, la plage, oui. Ou alors, moi je dis, on va tenter un truc un peu plus hardcore. La Norvège. La Norvège. Si je le retrouve. La Finlande. La Finlande. Le pays du Père Noël, voyons. Voilà. Ça, c'est des vrais combattants que vous voyez en maillot de bain dans la neige. Get ready for the next battle. Voilà, je voulais savoir qui a commandé des liatchs en maillot de bain à Noël. Bah alors du coup, ton avis sur Tekken Tag Tournament 2? Bah écoute, c'est beau, c'est jouable, très très bon jeu de baston. Un choix de personnage assez conséquent, bon après j'ai pas pu l'étudier non plus à fond. Hein. Je t'avoue que tout seul, c'est quand même vite limité on va dire. Oui. Parce que bah c'est... Comme tout jeu de baston qui se respecte. Après oui, bien sûr que le jeu seul est fait pour progresser, mais... de rester concentré parce que j'aimerais bien gagner un match quand même un jour. Mais c'est pas aujourd'hui je pense. Donc voilà, mais à deux c'est marrant de jouer en versus, mais bon ça a toujours été... Donc c'est rien de très nouveau chez Tekken. ouais alors non, j'avais pas prévu de faire un taunt là par contre. Voilà, peupler du pouvoir magique. T'es pas en train de me laisser gagner là par hasard? Non, non, plus même pas. Je suis juste très mauvais, c'est tout. Et je te dirais même pas qu'il reste pas beaucoup de vie. Non, non plus d'ailleurs. Je viens de le voir. Donc voilà, jouer à deux, c'est vraiment... C'est aussi fun que en versus qu'en coop. Puis sachant que j'avais jamais mis la main sur un Tekken depuis le 3, donc le tag, j'en avais jamais entendu parler, c'est vrai que ça apporte beaucoup au niveau de la stratégie. Bah c'est... Voilà, celui-là, bon, le jouer en 1 contre 1, c'est vraiment un peu con. À la rigueur, pour des gens qui maîtrisent mieux que d'autres, le 2 contre 1 peut être intéressant. Ouais. Mais il est vraiment fait pour être joué en équipe. Puis même le 2 contre 1, c'est deux stratégies complètement différentes. C'est vrai. Parce que le... justement, comme tu disais tout à l'heure, le 1, il y a la barre de vie qui s'en génère. Donc ça apporte quand même pas mal. J'avais pris Street Fighter Cross Tekken, je sais pas si t'as eu le temps d'essayer celui-là. J'ai pas du tout le temps d'essayer. Je l'avais pris au mois de janvier. Alors, faut savoir qu'il y a deux jeux qui ont été lancés en même temps, Street Fighter Cross Tekken, Tekken Cross Street Fighter. Street Fighter en premier, c'est l'équipe de Street qui a développé, Tekken en premier, c'est l'équipe de Tekken. Donc pour l'instant, il n'y a que l'équipe de Street qui a bossé dessus.
Et clairement, c'était plus un Street Fighter Tag Tournament. C'était pour jouer à deux avec les personnages de Street, parce qu'ils étaient quand même plus puissants et plus connus que ceux de Tekken. Et je dois avouer que Tekken Tag m'a laissé une meilleure impression au final sur les quelques parties que j'ai fait que Street Cross Tekken. Après, c'est deux gameplays complètement différents, mais je préfère le tag dans Tekken, clairement. Faudra voir ce que Namco nous réserve. Et puis, et tant qu'on est sur le maillot de bain, bah, rendez-vous peut-être pour un Shut Up and Play sur DOA 5. Si je me décide à le prendre dans les semaines à venir, on verra bien. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire, je pense, sur Tekken Tag Tournament 2. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous remonte la boîte parce que ça me fait plaisir. Et puis, rendez-vous, merci Mathieu de m'avoir accompagné sur ce Shut Up and Play. Bah, de rien, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.